Salut tout le monde! Alors aujourd'hui samedi, il fait super beau mais super super froid. On va aller faire un petit peu les magasins. Donc j'ouvre ce nouveau vlog. Pas de maquillage aujourd'hui à part du rouge à lèvres parce que j'ai toujours ma peau en convalescence. Ça va beaucoup mieux. Et normalement lundi tout sera rentré dans l'ordre comme d'habitude quand je fais des grosses crises d'eczéma. Donc ma fille c'est pareil, apparemment elle est en repos de peau on va dire puisque c'est pas génial en ce moment. Donc voilà, aujourd'hui on va faire les magasins moches. Voilà, c'est tout, c'est pas grave. Bonsoir tout le monde. Alors, je vous emmène avec moi dans ma chambre. Je vais me préparer. On va au restaurant ce soir. Je suis super contente. Tous les deux. Donc, ça va être vraiment chouette. Et donc, je vais me changer. Comme il fait super froid dehors, je voulais mettre quelque chose d'assez classe. Mais je voulais absolument pouvoir mettre mon damar qui me sauve la vie. C'est génial. En fait, on a l'impression que c'est des trucs de vieux, ça. Mais un petit damar dans son armoire, mais c'est nécessaire, surtout quand il fait super froid. Donc voilà, avec mon petit damar, je me suis dit, je peux pas mettre n'importe quoi. Et donc, je me suis trouvé une chemise noire. Je vais vous montrer ça. Et un petit pantalon, comme ça, normalement, je ne devrais pas avoir trop froid. Et malgré le fait que là, vous voyez, je ne suis pas maquillée, malgré le fait que je suis un peu en convalescence de mon eczéma, je vais quand même me maquiller un peu ce soir, bah, parce que. Voilà, au resto, j'ai envie d'être jolie. Donc on fait ça ensemble. Je me change et puis je reviens. Oui, ma... Et voilà. J'ai mis un pantalon taille haute. J'adore les pantalons taille haute. J'ai un petit peu de ventre, donc bon. Mais voilà. Et une chemise comme ceci. Voilà, je vous montre ça rapidement. Avec un petit, j'ai une espèce de jabot là. J'aime vraiment bien. Je trouve ça super joli. Avec mon petit damar en dessous. Et des petits volants. Voilà, ça devrait être assez classe. Et pas mal du tout pour le resto. Je vais me coiffer et on se maquille ensemble. Ok. Alors, comme ce soir, j'ai pas trop envie bah, de me mettre du fond de teint, évidemment, parce que voilà, ma peau, elle est en convalescence. Ça va déjà beaucoup mieux. Je me suis quand même mis un petit peu de primer. Voilà, c'est de la crème très hydratante. C'est le Glow, là, que j'adore, là, que je dois terminer dans mes produits 2023. Et ce que je vais faire, je vais mettre un tout petit peu d'anti-cerne. Et puis, je vais mettre un peu de blush. Voilà, on va pas, je vais essayer de ne pas faire ça, voilà, de ne pas trop maquiller ce soir. Donc en fait, je vais mettre du CC Eye, non, du BB Eye de chez Arborian. Il est assez sympa. Donc en fait, ce que je fais, j'en mets une toute petite, tout petit peu. Et je vais juste mettre ça en dessous mes yeux. Et ça va juste éclaircir un petit peu. J'en mets pas beaucoup parce que comme j'ai les yeux très marqués à cause de ma petite crise d'eczéma. Alors là, j'en ai mis même pas un petit pois, quoi. Enfin, j'en ai mis une lentille, voilà, une lentille. Je vais juste mettre en dessous mes yeux comme ça. Voilà. Franchement, j'en mets pas plus parce que c'est pas la peine, quoi. C'est pas la peine parce que sinon après, ça sera trop marqué et puis voilà, quoi. Donc voilà, je mets juste ça. Ensuite, je voulais mettre juste un chouïa de bronzer, je prends celui de Iconic, c'est un bronzer très liquide et ce qui est bien c'est que voilà ça va pas assécher ma peau donc c'est pareil j'en mets pas trop j'en mets comme ça et avec un bon pinceau bronzer que j'aime bien voilà celui-là hop je vais bien l'étaler et juste en mettre un petit peu hop là donc là je mets pas du tout de fond de teint en fait je sculpte juste un petit peu mon le tour de mon visage. Et tant pis, quoi, je fais même pas de correction de marque parce que bon, j'ai vraiment pas envie de mettre vraiment trop de produits. Donc voilà, je veux juste avoir l'air pas avoir l'air trop moche, quoi, c'est tout pour le resto. Ça. Et puis pour le blush, je vais en mettre un petit peu. C'est le Cheek Doux, c'est pareil, c'est un sérum blush. Donc c'est tout. C'est voilà, c'est tout liquide, quoi, tout, comment dire, tout fluide et ça va être facile à mettre. Voilà, je prends un petit pinceau comme ça, j'étale bien et hop, sur les joues, sur le haut des joues, voilà, comme ça, vous voyez, j'ai bonne mine comme ça. J'ai une meilleure mine. Hop là, voilà. Voilà, je ne me prends pas plus la tête que ça.
Je vais pas mettre d'highlighter ni rien. Voilà, je vais juste rester comme ça. Nickel. Pourquoi tu fermes la porte, ok? Voilà, bah tant pis. Bah, 3 minutes 14, voilà, je te mettrai sur la vidéo, tu vas voir, vous voyez, hein? Quand je me fais engueuler, en fait. Dès que je me maquille, je me fais engueuler. Si je dis des gros mots, ça va faire quoi? Ah bah, pareil, je les mettrai. Ils diront, mais c'est honteux! Si je parle comme au boulot. Ensuite, qu'est-ce que je suis mets? méchant à tout le monde. Alors vite, 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 on est pressé. Alors hop, je me dépêche. Je prends cette palette qui est géniale. Faut pas que j'en mette trop. Je vais prendre cette partie-là. C'est trop joli. Parce que ça va bien avec, avec ma tenue. Faut pas que je me maquille trop. Faut pas que je me maquille trop parce que j'ai mal aux yeux. Donc je vais juste faire un petit liner rapide. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste mettre un peu de vert à l'extérieur. Voilà, je ne mets pas de maquillage à l'intérieur des paupières. C'est enfin en coin interne, tant pis. Hop, parce que comme je suis un petit peu abîmée et que ça est en train de guérir, voilà. Et je vais juste me faire un petit liner rapide avec la couleur la plus foncée. Si je retrouve, voilà. Et deux, impeccable. Et je vais mettre peut-être un tout petit peu de doré en dessous. Ça pourrait être super sympa. Voilà, c'est joli. Je mets le mascara. Ma fille a acheté du mascara aujourd'hui. Et donc, elle m'a proposé de l'essayer. Alors, je vais l'essayer. C'est le Bambi Eye de L'Oréal. C'est moi qui ai payé, bien entendu, hein. Ma fille a 14 ans. Donc, pour l'instant, c'est moi qui lui paye son make-up. Mais arrivée à 15 ans, on va lui donner de l'argent de poche pour qu'elle puisse se payer ses fringues, son maquillage, etc. Et là, elle verra que ça file très très vite. Donc, une petite brosse sympa en picot. Et on y va. On va essayer ça. Est-ce que c'est bien? Apparemment, ça fait des yeux de biche. Et voilà, le make-up est fait, c'est du rapide. Rouge à lèvres. Voilà, je mets un gloss, le Willy Wonka, il est génial, je m'en sers vraiment super souvent. De toute façon, on va manger, on va boire, donc... Voilà, make-up terminé. Donc, pas de fond de teint, juste un peu de blush. Le maquillage, bah, juste l'extérieur des yeux et pas l'intérieur. Enfin, et pas l'intérieur. Voilà, parce que eczéma et du gloss. Voilà, c'est moins pire que sans rien. C'est pas parfait, mais au moins, ça me permet de sortir présentable. Allez, c'est pas moi qui... Non, c'est bon. Écoute, je te prends pas la tête, t'inquiète pas. Je prends pas les jambes non plus. Donc juste le ah, reste, je prendrai sans doute les plats et puis c'est tout quoi. Et du coup, c'est transparent dans les comptes. Voilà. 150 secondes. Miam miam. C'est un velouté de cèpe et un œuf. C'est comment l'œuf? Parfait. Œuf parfait. Trop bien. Et là, c'est du tourteau, du tartare de tourteau. Ça a l'air trop, trop bon. Ça a l'air trop génial. Et ça, c'est un charentais. C'est du cognac avec du pétillant à la pomme. Jus de raisin. Jus de raisin pétillant. Jus de raisin pétillant. Mais non, cognac, jus de raisin. Trop, trop bon. On va y aller. Faut que tu demandes. Alors, ça, c'est de la noisette de porc.
confite. Franchement, trop bien. Et là, pavé de lieu noir. C'est quelle sauce, tu sais? Tu vois. Avec la courge butternut. Ça a l'air trop bon, ça. Ça a l'air trop délicieux. Dimanche matin. Alors, vous connaissez la nouvelle tendance, hein, c'est le cold girl make-up. Bah écoutez, vous n'avez même pas besoin de maquillage pour faire le cold girl make-up. En fait, vous partez courir 14 km à moins 3 degrés. Et voilà, vous avez, voilà, vous êtes toute fraîche. C'est la catastrophe. Il fait super froid ce matin, mais le footing était super, super agréable. Salut tout le monde. Alors, juste un petit mot ce matin avant de partir au travail. Je voulais vous montrer... Je voulais vous montrer ça. Regardez, j'ai terminé mon sérum nude. C'est ça, le sérum, l'accord parfait, le sérum de teint L'Oréal. Bah voilà, je l'ai acheté l'année dernière. Je l'ai terminé. C'est vraiment un super, super sérum de teint. Là, voilà, j'ai vraiment, je l'ai mis à l'envers. Je suis allée jusqu'au bout. C'est fini. J'ai été super contente de m'en servir, vraiment, je me demande si je le rachèterai pas, j'ai envie d'essayer d'autres fonds de teint, le Chanel que j'ai envie d'acheter, et puis, enfin, il y a deux fonds de teint Chanel que j'ai envie d'acheter, donc je vais pas racheter tout de suite le truc, enfin, le sérum de teint de L'Oréal, mais franchement, j'étais super contente de m'en servir, donc voilà, un petit fond de teint terminé, je suis trop contente. Salut tout le monde. Alors, je voulais vous montrer la tête que j'ai après bah, une semaine. Vous savez, la semaine dernière, j'ai fait beaucoup d'eczéma. Je suis allée chez le médecin et donc j'ai été traitée. Et déjà, ça allait beaucoup mieux. Ce week-end, ça allait beaucoup mieux. Et là, donc, vous voyez, c'est dommage qu'il faille que je fasse des grosses crises comme ça pour être soignée après, pour avoir une belle peau comme ça. Parce que là, ma peau, elle est toute douce, tout bien plumpée. J'adore quand elle est comme ça. Voilà, donc là ça va beaucoup mieux, donc j'espace mes applications de crème médicale et voilà, j'espère que je vais pas faire d'eczéma d'ici très longtemps, donc ça va bien mieux, même mes mains vont bien mieux, tout va super mieux, donc je suis trop contente. Et je voulais vous montrer un produit que j'ai acheté en parapharmacie pour me nettoyer le visage. Hop, donc voilà, c'est celui-ci de la marque Avène, c'est le Tolérant, c'est une lotion nettoyante gélifiée. Alors, ceux et celles qui aiment que ça mousse, c'est pas la peine, hein, ça mousse pas du tout. Donc ça, en fait, je m'en sers après mon démaquillage, mon huile démaquillante, je me lave le visage avec ça et je le rince. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une lotion qui n'y avait pas besoin de rinçage. Mais moi, ce que je fais, comme je m'en sers sous la douche, je la rince, mais elle est hyper douce, je vous promets, c'est un régal cette lotion. Franchement, je la trouve géniale, elle est pas très chère et vraiment, je suis super super contente de cette lotion nettoyante. Elle, alors, je dirais pas qu'elle démaquille bien. Il faut d'abord que je me démaquille au gras, hein, au baume ou à l'huile, mais franchement, elle est vraiment super sympa. Et donc, vous voyez, c'est marqué sans rinçage. Mais bon, bah moi, je la rince quoi. Elle est vraiment géniale. Ça, c'est une super belle découverte. Salut tout le monde, et voilà, je vais fermer mon vlog pour cette semaine. On part visiter un appartement. Voilà, on aimerait bien investir cette année, changer de maison. Donc voilà, on part visiter ça. Bah, je vous dirai quoi plus tard. Et puis bah voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Et puis je vous dis, eh ben écoutez, à très bientôt pour des nouvelles aventures. Salut.